Bon, j'ai fait des bêtises. On est parti à Coya avec nos valises, ce qui n'était pas prévu. On devait finalement laisser à la gare. J'espère qu'on pourra les laisser à la gare à Koyasan. Ce serait bien. Bon. On a tout préparé les valises exprès pour avoir les trimballer avec nous. Oui. Bon, au moins on n'aura pas à défaire les valises. Ouais, c'est pas grave. On était un peu dans le speed ce matin, on était un peu à l'arrache. Pas réveillé et tout. Dur dur. Malgré les deux cafés. Donc, voir ce que ça donne. Allez, allons à. Non, c'est bon, Audrey. Oui, Viola mange les bananes de manière un peu bizarre, sachez-le. Bah, parce que... Elle est moins énervée que tout à l'heure, parce qu'on a réussi à déposer les valises quelque part. Elle est heureuse. Et on est arrivé, regardez, hop, à Koyasan. Super beau. On va aller chercher juste un petit... Oui, bon, les parkings, c'est moins beau, j'avoue. Montre le parking quand même. Bon, il y a un petit parking pour les bus, c'est normal, et les voitures. Mais franchement, ça va. Il n'y a pas trop de monde. Sachant qu'on est dans l'endroit le plus, je pense, touristique, là. Il y avait même des casiers là-bas. Quoi qu'il en soit, il est presque midi, j'ai un petit creux. Donc j'ai envie juste d'un petit onigiri, je pense, pour me caler. Et ce soir, on dort dans un temple bouddhiste. Regardez ça. C'est fat, c'est très fat. Et bon ben voilà, on va vous montrer un peu ce que ça vaut Koyasan. Est-ce que c'est surfait ou pas? Je pense pas. Ça a l'air incroyable. Donc allons-y, c'est parti. Yeah.
Bon, j'espère que ça vous a plu cette visite de Koya San et des alentours, hein, parce qu'il y avait pas mal de trucs, j'ai pas tout filmé. On a aussi bien profité avec madame. Et là, on arrive dans notre auberge. Et je voulais vous faire profiter de cette arrivée qui est plutôt cool. Allez, je vous montre. Voilà, on est logé au Yoshi Inn. S'il y a un paradis, ça doit être un peu comme ça, je pense. Waouh, la nuit, ça va être ouf. Viola fait une photo, alors je me recule. Je vais pas filmer le check-in et tout, mais je voulais juste vous montrer ça. Qui est, déjà qu'on est à Koya, c'est un endroit magnifique. Et en plus, pouvoir loger dans un endroit comme ça, qui est un temple en fait. C'est vraiment incroyable. Avec un jardin, ben comme on peut en trouver à Kyoto, un jardin zen de pierre. Je sais pas quelle sera la vue qu'on aura pour le réveil le matin, mais ça peut être assez cool. Bon, je parle pas trop fort, ça reste un temple. Les moines, ils sont peut-être en train de méditer ou quoi. On va aller faire le check-in. Voilà, je vous montrerai un peu l'intérieur, tout ça, dès que possible. Allez, à tout de suite. Visite de la chambre, donc traditionnelle japonaise. C'est rustique mais efficace. Donc une chambre japonaise avec des tatamis au sol, les deux futons.
Il y a une petite télé, mais on compte pas trop regarder la télé. On a des yukata. Donc ça, c'est très cool. On mettra ça tout à l'heure. Et on a une belle vue. Hop. Sur un petit temple en face. Fleuri. On a encore la chance, comme on est en hauteur, il fait pas trop trop chaud. Aujourd'hui, il fait 26 degrés là à Koya. Donc c'est plutôt cool. Et ça change des 40 quasi qu'on avait à Osaka. Donc c'est vraiment agréable, je transpire moins. Donc c'est très bien. Et puis voilà, on va y poser Pena. Il y a même la clim si besoin. Mais je pense que là, il fait pas trop chaud. Le soir, ça devrait être bien. En laissant ouvert et tout, ça va être top. On aura de l'air bien frais de la montagne. On va être très bien ici. Et ensuite, on va manger tout ça. Bon, allez, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir. Hello, bon ben c'est pas tout à fait fini, dernière petite vidéo avec de l'écho. On est encore à Koyasan, on a passé un séjour incroyable dans ce monastère, enfin dans ce temple. On a mangé des mets succulents, végétariens, très sympa. Et puis ben là on est devant la dernière chose qu'on voulait voir avant de partir, le grand portique qui accueille donc sur Koyasan, donc vraiment qui est magnifique. Et puis je voulais aussi vous montrer, bon il y a un peu de voiture, mais c'est pas grave, on va essayer de pas se faire écraser. La vue incroyable qu'on a d'ici. Je pense que ça va vous donner envie de venir. Il y a un peu de trafic là, c'est l'heure. Hop, je traverse vite, il y a un camion. Voilà. Je vais juste vous montrer ça, regardez. Vous êtes prêts? Allez. Regardez comment c'est beau. Voilà, c'est pas un Japon qu'on voit tous les jours, donc faut en profiter pour le montrer. Donc nous on est juste là, la Diamond Gate. Donc voilà. Et c'est sur ces belles images qu'on se quitte, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.